Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On va parler café une fois de plus, mais cappuccino et latte macchiato. Alors, vous avez certainement chez vous une machine à expresso, vous avez une machine à café automatique, vous avez envie de faire des choses un peu différentes, et surtout la mousse de lait, que ce soit avec des machines manuelles, des fois vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas envie, et bien il existe en fait des mousseurs à lait automatiques. Tout simplement, là on est sur un Krups, on va simplement vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc c'est donc des systèmes qui font mousser le lait de manière vraiment très rapide et facile. Petite note, important d'avoir un bon entretien. Dès que c'est fini, rincez-le bien, c'est important. Alors, trois positions. Vous avez ici latte macchiato, cappuccino et même pour le lait chaud. Alors, on va démarrer tout de suite comme ça. Plus important, c'est de boire donc maintenant un bon café. On va commencer par un cappuccino. C'est parti. Alors, vous avez plusieurs niveaux. Ça, vous verrez avec l'utilisation, c'est assez simple. Vous mettez, alors, je préfère de loin du lait entier, tout ce que vous avez à faire, le brancher, vous refermez et vous laissez faire la magie. Je vais préparer un expresso. Voilà. Regardez bien à l'intérieur. Il y a vraiment eu ce moment où l'appareil vient créer la mousse. Donc facile, rapide. Voilà. Vous avez vraiment une mousse de lait. Pour pouvoir l'introduire dans le cappuccino, voilà. On est simplement parti de lait entier, c'est tout. On est parti que de lait entier. Et donc à ce moment-là, on a réalisé le cappuccino, vous l'avez vu, on part pour une deuxième préparation. On part pour un latte macchiato, donc là la différence c'est qu'on va mettre beaucoup de lait dedans, plus ou moins jusqu'aux 3/4, et on va venir y introduire un expresso à l'intérieur. Donc ça permet donc, comme je disais, de faire du lait chaud, également de faire mousser le lait très facilement, ce petit système. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup parler pour ce genre de vidéo, juste de regarder la facilité avec laquelle cet appareil peut vous faire un cappuccino le dimanche à 16h tranquillement dans le salon. Donc la machine termine, elle s'arrête automatiquement, consomme assez peu d'énergie. Alors le latte macchiato, donc là, vous venez, regardez la mousse comme elle est lisse. C'est ça l'avantage de cet accessoire, c'est qu'il vous fait vraiment une mousse très très lisse. Voilà, on vient délicatement, le plus délicatement possible, introduire le café à l'intérieur. Voilà, et donc, vous avez vraiment le lait, qui est un peu café au lait maintenant, le café et la mousse de lait. Tout ça en un simple geste, latte macchiato. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux mousseurs à lait. Ça, vous avez vu comment ça fonctionnait, c'est super pratique. Cappuccino, latte macchiato et également du lait chaud. Bon, je ne vous ai pas fait la démo, mais vous savez comment fonctionne du lait chaud. Donc c'est petit, c'est facile, nécessite quand même de faire attention à l'entretien. Donc tout simplement, vous videz, vous enlevez la petite tube dans le fond qui ressemble à un pétale, vous rincez cela, si vous voulez vous remettez même de l'eau dedans pour le laver, c'est important car du lait, il faut avoir vraiment bien soin de ces appareils quand vous manipulez du lait. Vous savez maintenant impressionner vos familles, vous inviter ou tout simplement vous faire plaisir. Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux sur nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.